Bonjour, bonsoir à toutes amis famille Chanel Info 24. Yo, dépendamment de à qui les regardez ou tendez nous, n'a dit bienvenue sur Chanel Paola. C'est toujours avec même plaisir à toute équipe là à la ronde badé. Nous comptons entrer la caillou à chaque fois pour nous porter pour une nouvelle vidéo d'information. Avant même que nous entrions dans le détail vidéo, quittez-nous pour quelques secondes seulement pour nous inviter ou abonner avec nous. Songez pour activer cette cloche là pour qu'à toujours qu'on ait à chaque fois nous mettez en ligne une nouvelle vidéo. Haïti insécurité après DGAI Police Nationale d'Haïti a France LBT annoncé opération qui baptisée Tornade 1. Et bien opération ça a gagné comme objectif pour al déloger bandio et traîner yo devant la justice s'il faut. Mais opération qui t'est commencé mener dans base vite l'homme ailleurs et bien bagarre semblait paraître compliqué pour chef gang là. Et nous avons vu hier côté de utilisé les gens qui ont kidnappé qui c'était DG Kenton pour demander pour camper sur l'opération. La police n'a pas décidé de camper l'opération à poursuivre jusqu'à ce qu'ils arrivent à mettre main sous vite l'homme et traîner devant la justice pour la répondre à question sous diverses accusations qu'ils ont reprochées. Dans la vidéo, ça, nous avons eu l'opportunité pour nous donner une déclaration porte-parole police nationale d'Haïti qui c'est Gary Deosier qui t'a répondu à diverses questions qui ont été avec l'opération. Cependant, il n'est pas en mesure pour le faire un bilan. Maintenant, déclaration Gary Deosier fait nous capables de comprendre le dossier sécurité. C'est un bagage qui est sensible, il n'est pas capable de réagir de toute façon. Maintenant, ça le dit, semble fois ça. PNH l'a apprécié, mettez bandits hors d'état de nuit. On a suivi porte-parole PNH l'a Gary Deosier pour plus de détails. Alors, on a fait une description de situation de zone yo, un peu partout, des zones de foyer gang, et on a bien dit que la police vient pratiquement ensemble du bagage en main. Effectivement, nous conscients de responsabilité dans ce sens-là, bien que nous disons que la sécurité n'est pas simplement une question de police, il faut gagner d'autres secteurs qui bougent avec nous. Mais concernant nous-mêmes, nous sommes encore déterminés, nous sommes encore motivés, justement, pour que nous capables de faire face à les responsabilités que nous gagnons dans les chaînes de sécurité. Et j'ai encore une fois présenté deux cartes que la police gagnait, et surtout opération Tornade 1, et dans zone qui vient pour tout quoi débouquer, notamment Torcel, côté que gagnait un ensemble de bandits, et qui, eux-mêmes, tout, et basé là, et qui n'ont peut-être l'idée l'homme, et au côté de cité là, et côté que DCPJ, et tout est en vidéo recherche, côté que, et il a recherché initiativement, et il a même demandé, et à tout le monde, qui caïdèle, que ce soit mon au niveau population, même au niveau policier autour, et ils ont une somme de 10 millions de goudes, et ils ont une somme de numéro de téléphone qui est là, et qui est une entité justement capable de gérer, captant d'appel, et pour que capable d'abord tenter, ça nous le dit en tout, avec appel, et puis tout pour capable tout et avancer avec. C'est 29-48-14-14. 29-95-14-14, 29-98-14-14 et 29-99-14-14 permettent que nous reprenions le numéro SAIO, c'est 4 numéros au lieu. 29-48-14-14, 29-95-14-14, 29-98-14-14 et 29-99-14-14. C'est 4 numéros SAIO. Et qui est pratiquement aménagé pour que nous capables d'établir contact avec du monde, justement, qui a aidé nous et même des policiers tout, arriver et mettre main et dans collecte, éviter l'homme innocent et conduire dans la justice. Je vais vous donner plus de détails sur l'opération, mais concernant la vie de recherche, il y a un monde qui peur, baille la police information parce que. Yo dit le yo bay information bandi yo et connaît ça yo dit la police ou au courant de ça bon on connaît que les situations par peur que moun nan capable de des bagages et nous tant dit ça effectivement par voie de presse et moun nou konn parler de ça et n'a dit moun nou konn ça que faut être et confiant en institution hein. Et nous croyons que nous débousser nous calons en pile pour que nous capables et permettre de créer confiance entre la police et population et tout on manque de confiance en population de police là mais capable de créer des problèmes et mon qui va profiter de ça c'est des bandits et beaucoup de par nous toujours jour la paix travail de manière pour que nous capables et maintenir confiance ça et si tout à fait à gagner des décors
au niveau de la police, notamment au niveau de l'instruction générale, il y a tenu compte de ça pour que vous votez une correction. Mais ensemble des numéros ça, que nous baillons, quatre numéros ça, que nous baillons, c'est des numéros qui permettent que la population touche nous, et l'autre monde tout, que la population, que les policiers tout touche nous, et pour que nous capables d'arriver ensemble, pour que nous arrivions à mettre des mains, et dans la collecte, et vie de l'homme, qui lui-même est impliqué dans plusieurs actes déjà, et notamment et dernier ça que nous sommes là au niveau métier. Unité, plusieurs blindés déployés pour nous et aller dans la base Vite l'homme, opération finie très tard hier soir. Pour qui bilan? Alors, on ne connaît pas pour le moment avec son bilan exactement de ça nous fait, mais ce qui est important, c'est d'abord arriver dans la base, et arriver de côté, et que ça te prend du temps pour nous vivre. Par exemple, on connaît dans la base Estrella, écoutez, que nous joignons des plusieurs masses, c'est une cabine, tout ça, qui entreposait dans un zao, d'arriver. Et les policiers ont été très motivés et nous avons profité justement antenne et Radio Caraïbes pour que nous présenter et compliment nous, félicitations au commandement, et notamment du commandant-chef de la police nationale française B, à les policiers Sahelon qui pratiquement qui fait et qui n'a eu tard, qui dans toute unité spécialisée, qui pratiquement mettait en quatre et convergent tout et fort yo, et détermination pour que le capable arrive à travers ça, pour nous permettre justement population là on souffre, parce que bien longtemps et population a souffri de l'ensemble de bandits et notamment les cris population yo, et on connaît que au niveau de la police nationale et malgré tout effort que nous fait ensemble et mais où on connaît que vitale les situations on foire des gangs un peu partout et j'en dit tout à l'heure, sollicitation de la police un peu partout. Là, il y a un SOS, là, il y a un SOS. Ça m'a dit vraiment une mobilisation, tout ton matériel, tout équipement, également tout le personnel. Et pour capable faire ça, c'est vrai qu'au niveau zone Sahel, nous avons pratiquement optimisé et tout équipement, nous, matériel, nous, et cap, nous, vers zone Sahel, pour que nous sommes capables de permettre que nous capables d'arriver et éclater, voire même éradiquer. Et c'est les deux gangs à réseau de gangs à eau et régler mon salaire et conduire devant la justice. Commissaire Desrosiers, généralement, yo reproché la police de Sambral Zoula là dans le cadre d'opération Sayo. La police qu'on arrivait dans l'espace côté gang yo, la police Gouma gang yo, mais après ça, la police fait back et gang yo même. Yo fait représailles et ces populations civiles dans zone qui paye ça. Jodi a là pendant n'a parlé là, li matin lundi 6 février 6h39. Est-ce que la police toujours dans zone côté Vite l'homme ak monsieur Lyo Cantonea ou bien la police dehors mais li encerclé? Dis-nous qui sa situation en yé ou bien la police juste rentré au Berkay? Et moi, apprécier qualité question là, de comprendre que les gars, stratégie là-dedans, et la très difficile publiquement pour que nous disions exactement qui côté des forces de police, et que ce soit une présence policière en uniforme, que ce soit une présence qui est en uniforme. Alors, là, c'est vraiment difficile. Et sinon, et c'est tout dit. Et alors, nous disons mauvaises intentions, et mais stratégie, nous ne pouvons pas dire publiquement, mais nous tenons compte de, et ensemble considération que la population n'est pas voix de presse que vous dit, et que la police soutient dans la zone, n'en est tout, ne fait pas de mais ça fait tout à l'heure, Ferdinand, a dit que sécurité, c'est tout un système, et il faut que tout plusieurs éléments, et Macron est avec nous pour qu'on soit capable d'arriver maintenir. Parce que l'autre, et des zones géographiquement, en près de côté, c'est en dans des déserts, de côté qui est abandonné, et pas de courant, pas de route. Ça veut dire, ou pas qu'à nous plutôt, pour exposer des vies de policiers là-dedans. Mais nous tenons compte de, pardon, de grandes actions, de côté, et justement, que pas trop loin, côté du monde, après, vous l'avez dit, de manière pour que nous sommes capables. Mais on connaît que Jean Doulin, et sans que nous toujours dire, et pas que nous avons cherché une façon pour que nous désolabilisions peut-être nous, à savoir, de matériel, parce que c'est du matériel que nous avons là, ça a justement que nous avons fonctionné. Et ça fait une partie d'optimisation, à dire nous obliger et tenir compte de ça nous gagner et puis pour nous concentrer au grand matériel équipement pour que nous capables de travailler d'une éternité. Dans l'opération, tu as gagné un voice qui t'a circulé DG, CNEA qui était en détresse, qui t'a demandé pour la police camper sur l'opération. Et appel ça pas t'affecter l'opération effectivement.
Nous, nous avons une équipe justement qui est là et qui a tendu toute sa capacité sur les réseaux. Parce qu'en même temps, forme de aussi toute en mobilisation. Et chaque monde gagne et responsabilité, chaque monde gagne tâche. Et dans le travail et dans l'opération que nous maintenons au niveau des zones A. Et oui, et son voice qui est tout entendu, et nous-mêmes tout au niveau de direction générale là, et tandis tout voice là, mais tout hier, il faut que nous d'abord vérifier l'authentification et voice là d'abord, et pour nous prendre des mesures appropriées. Il y a un avion de force armée canadienne qui était survolé et ciel pays d'Haïti, et information a été fait quoi que l'avion ça a été venu en soutien à la police nationale d'Haïti, et si c'est possible, dis-nous dans quel niveau hein, collaboration hein, et les mêmes idées entre FOSSA à travers avion ça et la PNH pour opération SILA de manière spécifique. Ferdinand, nous connais une question, il y a vraiment des questions qui ont plus d'importance, mais encore une fois, et nous avons été au niveau stratégique de préférence pour que nous ne participions pas, mais on a dit que nous avons des collaborations avec nos partenaires internationaux. Et est-ce que l'opération a fini? L'opération est maintenue. Mais. Non, moi je dis, est-ce que l'opération a fini? Opération est maintenue. Cap-nous et vers Zonda. Cap-nous vers Zonda. Nous étendons dans Zonda. Alors, manquez, vous prenez temps. Oui, alors, pas de parole. Vous prenez une réponse là pour moi. Je demande, est-ce que l'opération ça a fini? Et j'aime de douleur sur l'opération qui est maintenue et sur l'opération qui est là depuis pratiquement un week-end. Non. Et c'est des heures de combat. Et nous, apprêter pour que nous capables, pour nous capables de continuer le combat. Qui est maintenue, c'est-à-dire que son opération capée est continuée, mais nous apprendre, et dans le lieu côté nous est arrivé hier, nous fait bac. Et il y a un témoignage qui dit que bandits ont refouillé tout yo encore côté la police était bouchée pour yo t'ka rentrer. Nous au courant de ça? Éviter l'homme bloqué pernier depuis dans 17 là, la boule caoutchouc et puis mettez gros camion dans route là. Et on connaît nos cadre d'opération et gagner et plus d'analyse qu'on fait et gagner tout l'est que nous au moment d'opération hein, et parce que attention on a boumé avec des gens qui armés et des gens qui lourds de ma armée et faut que nous tenions compte de ça au gain comme matériel et tout le même tout et même gens tout que nous même n'a pas analysé même les sur la déployé stratégie ou même tout côté par autre mais qu'on y a là c'est nous même justement au niveau de la police force de l'ordre que population en fait confiance et population paye nous justement et pour nous avancer pour nous maintenir opération yo et là il est extrêmement important pour que nous mandés population comme toujours et encore une fois la sollicité et n'a toujours sollicité tout le temps et collaboration dans le type de travail que la police a fait hein. Parce que le travail que la fait hein, c'est pour permettre que ou même qu'à côté Radio Caraïbe là ou même qu'à côté l'autre radio ou même qui dans population hein, qui victime de Mounsayo. Petite victime, jeunesse à victime, famille en victime, il est temps pour que nous, côté collaboration, que nous habituons à faire, et nous demander plus encore, de manière ensemble, pour que nous capables d'arriver à faire travailler ça, et permettre au fur et à mesure, pour capables vaquer le mouvement d'activité. Commissaire Gary Desrosiers, n'a pas appelé aussi porte-parole, police nationale d'Haïti, a confirmé ou bien infirmé, ça pour moi. Moi, apprendre qu'effectivement, force l'audio était dans base vite l'homme, dans niveau pernier à Torsel. Mais à un certain moment, il est obligé de faire back parce que il y a un problème blackout, pas de gain courant. Et dans ce zone-là, ça qui devine météo, on a difficulté pour continuer l'opération. Vous êtes capable de confirmer ou bien infirmer ça pour nous, s'il vous plaît? Et où qu'on ait des détails qui, au niveau opération qui est très sensible et très difficile pour que nous soyons capables de rendre au public. Mais encore, on a préféré nous à la question insécurité qui passe simplement la police comme acteur. La police, effectivement, c'est un acteur clé, mais pas simplement lui-même. Et parce que dans d'autres pays, soit permettre que moi capable de faire un petit écart. Et c'est parce que bon ensemble de bagages qui vient déjà. Et j'ont dit, il y a des routes, des courants, et il y a tout l'autre secteur qui est là, qui travaille par eux. Et puis, on a la vie permettre que la police est même capable, plus facile de même travailler par eux. Mais j'en ai dit, si il y a des blackouts, il y a des côtés, c'est pratiquement des déserts liés,
Et là, on comprend que faut que les policiers d'abord protéger tête yo et protéger tout matériel qui a pu utiliser hein, de manière pour que eux-mêmes soient capables de faire travail. Et ça fait qu'encore une fois, et nous disons que toujours la population, lui-même, toute population, soit élément de la sécurité, ça fait faire appel avec lui et appelle tout à d'autres secteurs qui enchaînent la sécurité. Hein. En gros, opération Sayo nous aider de l'armée, surtout le NAP intervenu pour nous craser de murs. Et dernière opération ça nous fait là dans Pernier, qui supporte que nous dégaine de l'armée. Et tout ça qui gagne en termes de aide, en termes de support à PNH là pour permettre que atteindre objectif et probablement qu'il fixe yo et suivant élaboration plan d'opération qu'il gagne et pour opération toute entité d'État yo bienvenue et nous toujours faire appel avec opération hier là est-ce que tu fais avec l'armée c'est ça mando et si gagne pas de tout détail parce que connaît que nous même nous avons d'autres travail que nous avons fait mais probablement comme d'habitude nous on gagne justement de appui et au niveau engin loyo au niveau gros matériel et nous on gagne et le financement support pas parole et bon partager avoir quelques préoccupations des citoyens qui dit la police a fait opération yo faut que boucler torselle faut gagne un char ou bien un backup derrière académie d'ailleurs citoyen dit hier la police a traqué bandi yo passé derrière académie pour aller tomber Pernier gagne yon quinzaine jeunes garçons avec sapate nan pied valise nan dos gros manche longue nan main yo qui passé hier derrière académie pour aller Pernier torselle ou bien petit troupeau donc est-ce que la police tenu compte de situation sa yo de zone sa yo zone stratégique yo pour que yo empêcher monsieur yo sauver qui était espace côté OTI mon ami guerrier du seul et à chaque opération depuis et opération lui-même est capable de faire camper momentanément et nous toujours font des briefings pour que nous tenions compte de considérations et si tu as gagné des failles des côtés pour que nous sommes capables d'aménager dans ça et disons travail de ce côté-là et nous t'en des voix et mon qui dit ça et c'est certain que et ma autorité auto à l'écoute pour que nous capables de tenir compte de ça et Jean-Doulan qu'on n'a pas encore répété c'est ensemble de matériel que nous devons optimiser pour que nous capables faire arriver et faire opération ça on l'autre message encore qui peut-être qu'a aidé la police Zami ça dit pour qui ça la police a fait opération peigné ou pas à cerner les gros gens métivier doco pour empêcher et sauver autre gros gens c'est exit negio pour évacuer les opérations pernier jour samedi yo prend Kenton dans la Kaeli negio était occupé zone là depuis 5h rivé 3h nan matin et il dit tout que c'est pas opération ça qui a bail résultat là yo pas attaqué Negros Pernier yo monté gros Jean Métivier Doko tout temps pa gen yon synergie qui déployé dans espace géographique monsieur yo les a attaqué Neg Pernier et yo pa quadrillé gros Jean Métivier Doko Neg yo a toujours en force donc son message aux auditeurs qui peut-être capable aider la police nationale d'Haïti porte-parole c'est pas ton question m'a vie mando on précision nan avis Non, l'argent que nous offrit sous tête vite l'homme qui c'est 10 millions gourdes avec des numéros de contact nous bail moi nous dit monde qui a information ak policier est-ce que ça veut dire que policier concerné par moyen ça que on mettait disponible donc c'est un policier lui-même les bail information ou bien lui permettre que yo arrivé sur vite l'homme l'a gagné récompense ça justement notre plan très clair et j'en depuis là c'est exactement comme ça. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, je nous tape suivre là, c'était intervention porte-parole la police nationale d'Haïti à Gary Desrosiers qui tape bail quelques détails sur opération police là lui-même l'a mené dans fief vite l'homme et bien contrairement avec Jean Saté Konye avant semblé gagner gros disposition qui prend pour PNH là pas fait bandi au courir après ça pour bandi au même tourner vinn faire répression sur population hein. Fois ça, il y a travail pour comment yo capable mettre confiance entre la police là et population haïtienne parce que nous déjà connaît pas gain aucun pays sous la terre qui a gagné sécurité sans collaboration population
et civil là, et bien fois ça assemblé police là a travaillé tout bon vrai pour reprendre contrôle et mener population haïtienne avec yon des meilleurs. Et bien c'est toute information ça nous porté pour nous juger extrêmement important pour nous partager avec vous. Mais avant même que nous quitter, on a demandé où vous capable quitter un commentaire pour dire qui ça vous pensez des opérations police nationale là lui-même là mené dans base vite l'homme. Ou capable de partager vidéo ça yo sur plusieurs groupes Facebook, WhatsApp, quelque soit côté ou capable joindre deux trois grandes familles amis qui intéressés avec information à partager yo. Non seulement ça a encouragé nous aider nous chaque jour pour nous chercher plus beau genre information pour porter pour vous et c'est comme ça tout ou cap aider plus monde informé.